Ok, merci. Ma réaction, c'est ce que j'ai dit à tout le monde. Si au moins se limiter à la plainte, qu'on parte à la justice, pour qu'on donne raison à qui a raison et on donne tort à celui qui a tort, ça allait encore être mieux pour éviter tout ce qui s'est passé hier dans la journée et la journée d'aujourd'hui. Mais monsieur Fromont, ce que je vais vous dire, finalement, le plaignant, nous aussi, on va porter plainte contre eux. Là, c'est clair. Les autorités, nous allons porter plainte contre ceux qui ont organisé la marche parce qu'ils nous ont assuré à travers les radios comme quoi ils ont des jeunes qui peuvent assurer cette sécurité. Ils ont des jeunes qui vont faire tout pour ne pas que le truc déborde. Mais vous et moi, nous sommes sur le terrain. Vous êtes en train de voir les réalités. Est-ce que ça a débordé? Ça n'a pas débordé. C'est maintenant à eux de répondre. Donc nous, on va aussi, comme ils ont porté plainte contre nous, nous allons maintenant aussi porter plainte contre eux pour tout ce qui s'est passé, pour même les dégâts matériels et jusque où, en déplorant, comment dire, la mort de notre jeune personne qu'on a perdu à la fleur de l'âge, suite à leur marche et à leur mouvement sur le terrain. Donc, je crois que le plaignant aussi sera poursuivi par ceux auxquels on a porté plainte. Donc c'est la justice qui va maintenant nous départager. La justice va donner raison à qui a raison. Mais selon le contenu de la plainte que vous les avez, à travers la réunion qui a été tenue du côté de la maison des jeunes, les propos qui ont été tenus contre eux par le préfet et le gouverneur et vous, vous les interdiez carrément de ne plus exercer leur activité au niveau de la région des Erékoré et de la commune urbaine des Erékoré. Et pourtant, le dimanche, le RPG est sorti manifester sans qu'il y ait un problème. Le RPG est un parti politique bien constitué, structuré, que tout le monde connaît la structure. Maintenant, revenons à ça, mon cher ami, vous me donnez l'occasion. Le front, FNC. Parce que vous devez exercer une activité dans un territoire géopolitique. Le béaba, c'est quoi? C'est que vous venez vous présenter aux autorités locales pour que vous leur montrez ne serait-ce vos documents juridiques. Pour dire, ah, voici, nous avons fait l'agrément, voici, nous voulons faire quelque chose.